bienvenue dans un nouvel épisode de Ragnablock. Aujourd'hui, c'est assez spécial, vous avez sûrement dû le comprendre en lisant le titre. On va faire nos adieux à Red Angel et à Fanzi qui vont quitter le serveur. Et du coup, on va faire un tour chez eux de tout ce qu'ils avaient fait. Et croyez-moi, j'ai été bluffé parce que honnêtement, j'avais pas fait le tour de chez Fanzi. J'avais vu la plupart des choses de chez Red Angel, mais il y a quand même certaines choses chez elle que je n'avais pas vues qui sont classe. Et chez Fanzi, c'est pareil. Par contre, chez Fanzi, j'ai vraiment été bluffé parce que, comme je disais, j'avais juste fait le tour en surface, mais je suis jamais allé en profondeur. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait en dessous, c'était juste excellent. Bref, du coup, je vous laisse les parties de vidéo. Ça a été tourné pendant une heure et quelques. Je vais monter ça pour que ce soit moins long. Et on se retrouve à la fin pour un commentaire. Et d'ailleurs, au passage, pour les bannières, je commencerai à les refaire sûrement pour le prochain épisode. Ils y vont. Ah non, fais pas tomber, surtout pas. Vas-y, jette-le. Ouais, jette-le. Qui a une underpearl pour moi? Qui a une underpearl? Jette-le! Non! C'est fait tirer dessus par un ukulélé. Ça a tellement giclé de partout. T'as la tête de Kriver et la statue. Elles sont trop classe, désolé. Quoi. Je suis désolé. Ah oui, je suis vraiment désolé. Ouais, non, je chercherai jamais à te tuer, tout ça. C'est pas mon genre, mon cul. Et non, on peut faire ça à personne. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Fanzi. On se retrouve sur Ragnablock avec beaucoup de monde, un peu spécial. Hey. Puisque bah, toutes les belles histoires ont une fin. Déjà, bonjour à tous. Salut. Et voilà, donc comme je disais, toutes les belles histoires ont une fin. Pour ma part et pour Madame Red Angel, ici présent, ça va être la fin aujourd'hui. Oh, je t'entends très mal. Un peu chier, parce que... Bienvenue, miracle. Comme je disais, bon, c'est le problème... Oh, Nender, Norman, écoute-toi. Voilà, j'ai encore en cours, etc. Mais bon, le truc, c'est que là, actuellement, ma chaîne l'aura remarqué, je n'ai absolument pas le temps de jouer à Minecraft. Et moins l'envie qu'avant aussi, de toute manière. Et donc, voilà, j'ai préféré... laisser ma place sur Ragnablock à un joueur qui aura du temps à consacrer au serveur. Ben voilà, plutôt que ne pas faire des épisodes et... Et venir... On n'entend plus du coup. Ah, il me rend plus. Non, c'est horrible la connexion, je sais pas ce qu'il y a, ouais. Mais ça doit venir de chez toi. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais. Bon, vraiment, on va commencer par la partie qui va vous intéresser le plus, c'est-à-dire les coffres. Ah, il arrive. Voilà. Ah, donc, plein de ressources, alors vous verrez, il y a à peu près tout qui est trié. Je dis bien à peu près. Mais voilà, vous pouvez en prendre, en laisser au nouveau, faites-vous plaisir. Ouais, on va laisser d'abord au nouveau. On a... Ambris, tu devrais cette ton spawn, il y a un lit. Alors, je tiens à vous dire que je l'ai déjà marqué ici. Allez, salut. Attends, je m'en vais pour pas mourir. Non. Si tu me parles, je que ne t'entends pas. Ici. Oui, voilà ce que tu as fait ici. Oh, tes avancements. Parce que voilà, la première fois que je suis venu dans ton biome, il y avait cette statue. Et j'avais pas vu que c'était toi en fait. Et quand je me suis éloigné, j'ai fait putain, c'est excellent. Gravé dans la roche, dans la montagne. C'est c'est excellent. C'est bien fait, mais après, je pense que. Pourquoi t'as pas mis tes couleurs en fait, ta couleur verte? Ben, à la base, j'étais parti pour la faire en couleur, mais ça donnait moins bien si tu veux. Je voulais garder l'effet, genre ça a été sculpté dans la montagne, tu vois. Ouais, c'est vrai, exact. En plus, ouais, t'as gardé le truc, la petite arche. Plutôt parti sur du noir et blanc, en fait. Voilà, du coup, qui relie avec, genre ça a été sculpté dedans. Comme ça, t'as ta main. Pour l'avoir d'ailleurs, on peut monter là-haut, t'as une meilleure vue depuis là-haut. Ouais, depuis ton point d'observation. Là, tu vois bien. C'est joli. Mais le dors, si je t'attrape, je te meurs. Comme ça, regarde, personnellement, qui tient un sapin dans la main. Ouais, on dirait qu'il y a un sapin dans la main, ouais. En fait, j'avais prévu de le couper
ah, celui-là et au final je me suis quand je l'ai vu à la fin, j'ai dit bon, je vais le laisser, ça fait pas mal. Là, ça fait sympa. Une petite ligne toi dedans. Ça brille. sur la tête de cœur, j'aime bien. Ou fan de Brist. Fan de Brist. Petite grotte glacée en fait qui sert surtout de l'espace AFK pour faire tourner l'usine à fer qui est juste en dessous. Yes. Usine à fer classique. Voilà. Qui tourne bien de toute façon, ça tourne bien. Mais bon, elle marche bien. Ouais, c'est ça le truc. Il veut bien t'entendre avec Emel. J'aime bien moi. Ouais, j'imagine bien. Donc ensuite, ma belle mine optimisée, qui était bien optimisée d'ailleurs. Rien. Ah, je suis la tête de Brice. Ah. Rien de spécial à voir dedans. S'il y en a qui sont intéressés, à peu près au milieu du chemin, vous avez une entrée vers une mineshaft où il y a 11 spiders. Il y en a qui s'intéressent. 11 quoi ? 11 spiders d'araignée. On a c'est 11 sale. Là-dedans dans celle-là. Là. Ah oui, bah, c'est du sacré. Que... Je suis tombé dessus en plus, je venais de commencer, tu vois, je commençais à miner et tout. Je sais même pas si j'avais encore une armure en diamant. De Ragnablock, ouais, ça m'a fait ça bizarre. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, du... Que tu me retouches, tu jures. Carrément à Belrock. Ouais, j'ai compris ça à zéro. Ouais. Ouais, j'ai pas mal creusé ici. Voilà. Avec le beacon. Le beacon. Ah ouais, en fait, ouais, t'es juste, ouais, t'as carrément été jusqu'à Belrock. Ah ouais, là, tu peux pas plus. Après, optimiser. J'ai rajouté ce système qui permet en fait, un petit système qui permet. Système de feignant hein, changé qui permet en fait si tu me stuff dedans hop tu renvoies ton coffre aller vider dans les deux coffres qui sont là-haut maintenant tu as un autre coffre qui descend et me prendre la place du premier comme ça tu peux continuer à remplir etc. C'est tellement excellent. Hey. Ensuite le village. Aha. Pas grand chose encore mais il est loin d'être fini. Et tu le finiras jamais, c'est triste. Mais en tout cas, il était bien. Un jour, le bip me prend, je dis à ML de me laisser l'accès un jour. Passe forfait week-end, tu vois. Je le plombe. Donc là, voilà, petite forge que j'avais fait. Bon, après, moi, j'avais pas encore emménagé les. Une fois, j'étais venu t'aider, mais t'étais au boulot, donc on parlait pas. Faut pas le dire. Il joue pas. Imagine qu'il mon travail. Patron cette vidéo. Oh. Non, tu sais, non mais après il dira bon bah j'ai arrêté pour le par boulot. Par contre voilà. J'ai une super anecdote pour longtemps avec ça c'est que là en fait dans mon entreprise on change de patron c'est le neveu de mon patron actuel qui reprend l'entreprise et on en est venu une fois à parler de Minecraft justement et il me disait qu'il jouait donc sur Xbox lui à l'époque. Je regardais Redstone j'en faisais pas trop mais quand je faisais, je regardais les vidéos d'un mec qui s'appelait Alfanzi. Ah. Ok, bon. Ben, c'est moi. Voilà. Oh, sérieux ? Excellent. Ah, c'est mortel, ça. Bon, après, ce chemin un peu bordélique, je l'avais laissé parce qu'à la base, il m'a servi quand j'ai ramené des PNJ jusqu'à l'usine à fer. Et j'avais laissé cette partie-là qui devait servir après à ramener des PNJ jusqu'au village. Ouais bah ouais. C'est bien le bordel pour les ramener d'ailleurs. Tu c'est la merde pour ramener les PNJ. Moi ramener mon prêtre à l'église, j'en ai chié. Ouais mais encore. Parce que t'as pas pris d'enfant. Toi, c'était un, ça. Tu vois, moi pour l'usine à faire j'en ai ramené 16. Oh. Et ça fait pas mal. Ah ouais. Voilà. Qui nous ramène sur le dézombificateur, donc si vous avez besoin de vous faire des PNJ, vous pouvez venir ici. Bah, moi j'en aurais besoin, ouais, un village. Toujours sur un thème un peu horreur, faut que je trouve les noms de... Bah tu peux, après, dedans je crois qu'il y en a déjà deux qui sont stockés. Merci, ah, c'est moi qui passe. T'as vu comment je te gruge la place. Ouais, ça. Ah, attends, j'attends que tout. En fait, ça augmente du coup le spawn des zombies. Vous avez les leviers au-dessus des zombies qui permettent d'allumer la lumière pour voir si c'est bien un zombie normal ou un PNJ. Mm-hmm. Et, jour, nuit.
Lourd. Dans ce dropper, vous avez des sauts. Sauts, c'est très simple, il faut en avoir deux en fait. Si c'est un zombie normal, vous mettez uniquement un saut au pied ici. Mm-hmm. Un saut ? Ouais. Ouais. Ici, ce qui fait que ça va le ramener en fait au fond. Une fois au fond, il suffit d'appuyer sur le bouton. Hop, voilà, et ça crame. D'accord. La série des 4. Si par contre c'est un zombie PNJ que vous voulez faire remonter, il faut mettre donc le saut un cran derrière pour qu'il revienne vers ici. Mm-hmm. Mettre un saut au fond là pour parce que sinon ils veulent pas monter bug avec le 1.8 ils veulent pas monter comme il faut. Il suffit de mettre le saut derrière lui comme ça et ce saut de le mettre donc pour le pousser après vers le et là du coup il va remonter. Ok, directement, ah ouais, c'est pas mal. Tout en... Une fois que tu l'as dézombifié. Quand tu l'as dézombifié, ouais. Il faut le dézombifier avant. Voilà, par exemple, là tu vois les zombies, clac, mm-hmm. Tu, hop. Là, avec les bouton. Prochaines faiblesses et les points. Ouais. Ah, pas mal. Alors, donc partie Mika, bah, pour commencer, mon petit stuffer, voilà, en cas de mort inopinée. Ah ouais, ça c'est nickel, dedans. Je voulais que tu me le fasses. Bah, voilà. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. C'est pratique, tu fais ça c'est assez efficace. Avec de la redstone. Compliqué, t'as juste à en fait tout. C'est moi, me fait peur. Tous les distributeurs par rapport à la plaque de pression. Oh, mais je te prends du poulet, dis donc. Mon usine à poulet. Ah, je suis fuck. Non. Dis ça à toi, puisqu'il y en a assez pour tout le monde. S'il y en a qui veulent du poulet, c'est pareil, vous pouvez vous servir. Alors, ML, je te le dis pour un. Oula. Oh, touché de soi. Ah, bravo. Ah bravo. Ah bah bon, tu poses l'ascenseur en plus. Non, j'ai suffoqué dans l'ascenseur, j'ai pas compris. Oui. Ah bah bravo Brice. Non non, il y a marqué que t'es mort par une touchée de saut. C'est un angel qui a voulu l'aider. Et donc ouais ML, si jamais t'as besoin d'œufs pour le spawn village ou des trucs comme ça, tu peux venir dans le système ici. Ouais. T'as ces deux trucs là. Il y a pas mal de poulets qui pondent. Effectivement, ouais. Et, merde, et c'est si ça. Tu viens juste ici, ça. Double coffre là qui sont bien des deux. Tout ce que j'ai. Wow. Ah, non, ah oui. J'ai ça. J'ai ça. Là. Ça marche. J'ai ça. Attends, ok, attends, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Alors, l'ascenseur. Cet ascenseur, quoi. Ça, c'est génial. C'est génial. Ce viol de personne. Merci. Ah, c'est de le côté. Ça, je fais une autre. Voilà. Alors, ici, pareil, c'était pas encore fait, mais juste préparer le système, c'était pour faire un petit marché de PNJ. En fait, je voulais me ramener des billes pour les échanges. Voilà. Qui fait que dès qu'ils rentrent, ben, ils sont bloqués. Bon, voilà. Du coup, ça sera peut-être plus tard. On verra. Donc, ça. Alors ici j'ai mon petit PNJ feignant, il a envie, il s'est ramassé des carottes et des patates, et il le fait vraiment quand il a envie en fait. ML il bosse bien, toi t'as un bon bosseur, hein. Moi je crois que j'ai un portugais en PNJ. C'est un bug non? Ben je sais pas, il y a des fois il se met et hop il va t'exploser tout le champ et tout replanter, et des fois voilà il bosse comme ça, il se promène pendant 3 heures et voilà. Oh le pauvre. Mais après donc il envoie normalement au niveau du PNJ qui est juste ici. Les patates et les carottes donc tombent dans les hoppers qui sont en dessous et sont triées avant d'aller chacune d'un côté. Et voilà. De l'autre côté. Après ici, usine à cactus, pareil si en besoin vous pouvez vous servir aussi. Automatisé. Ça va prendre du cactus. Voilà. Va prendre des cactus, ah, que j'en fasse bah, un god. Un cactus qui pousse d'un cran. C'est un pour toi, Fred. Bon, bah là, ouais, je peux pas le poser, mais dès qu'il y en a un qui pousse, ça le casse. Ça ah oui, frotte-moi. Frotte-moi avec ton cactus. Oh, c'est dégueulasse. Pervers. Si vous avez une usine à citrouille, automatisée aussi, hein, ça pousse tout seul et ça se récolte seul. Plus qu'à récupérer dans les coffres, d'ailleurs. Je pense que ça devrait pas tarder à se lancer, peut-être. C'est avec un timer. Ouais, il y a un
petit timer dessus. Bon, après, il y a que perte, mais franchement, enfin, quand tu vois déjà en pastèque tout ce que ça a récolté tout seul, vu le rendement, c'est pertes, bon, les pertes, c'est pas grave. Perte minime. On s'en fout un peu, quoi. Et de l'autre côté, bah, l'usine à canne à sucre, pareil, qui marche plutôt bien. Bad switch. Aussi. Avec un petit bad switch qui fait que dès que. Et... Voilà. Dès qu'une ligne, en fait, celui du fond pousse à deux, hop, ça active le truc et ça pousse les cannes à sucre. Ouais, c'est pratique. Ah. Pourquoi je m'en doutais? Ah, je peux sortir. Attends, attends. Ensuite, alors là, vous avez la petite salle avec les bannières et les têtes de. Cadavres. Oui, il me manque d'ailleurs. Carte ta bannière ML, tu vois, par exemple, je l'ai. Je la mettrai. Et du coup, il aurait fallu que je prévoie un couloir. Enfin, je pensais en refaire un ici, justement, pour continuer avec les joueurs suivants. Oh, il y a un creeper qui arrive. Ensuite, donc ici, on a une salle de des fours automatisés. Donc, il suffit de mettre les minerais à cuire à gauche, le charbon à droite, ou tout ce qui sert de. Voilà, ouais, tout cuit là-dedans. De... Okay. À faire cuire. Ensuite, ça cuit dans les quatre fours et ça revient ici. Voilà. C'est clair. De l'usine à faire. Elle a été vidée. Ouais. On plus rien. Mm. Et s'il y en a qui veulent des fleurs rouges, il y a le stock. Ah bah déjà, tout à l'heure il y avait 12 lingots, maintenant il y en a 26. Déjà c'est revenu un petit peu. Ouais, ça spawn pas mal quand même. Enfin, ça spawn pas mal. Ça fait une petite heure qu'on est là, je crois. Dernière, donc ici on a une petite usine à fait pour avoir du blé ou des carottes assez rapidement. En fait, de prendre. Non. Le levier et de faire que se met la touche pour poser des graines et ça va faire pousser le blé et le ramasser tout seul. De ce côté, bah, c'est production de porc. Monter là-haut. Ah, fait, faut monter, ok. Mes petits animaux. Voilà, donc il suffit de les nourrir. On va regarder en bas. Voilà, un plat, tu vois, il y en a un. Hop, voilà, tu mets une petite tape sur les fesses et ils tombent tout seuls. Ils sont mignons. Et du coup, t'as une petite lame de lave sur le côté. Voilà, et du coup, voilà, ils arrivent en bas. Donc en bas, les plécans ne peuvent pas mourir. T'as beau envoyer la lave, ça leur fait rien. Par contre, dès qu'ils sont grands, du coup, ça les crame. Ouais. Ah, la grande salle que j'avais creusée pour commencer la salle des coffres, mais il waouh fera pas. Ah ouais. Voilà, c'est de la salle, hein. Si vous avez besoin de cobble aussi, y'a de quoi. Mm-hmm. Non, de mon côté, ça va, la cobble, je dois avoir une... Une dizaine de coffres de ça. Ça devrait aller. Ah, il est même pas sorti du coup. Ah, mais fallait pas les défaire! Ah merde! Tu veux me taper, c'est ça? Tu veux me taper, c'est ça? Vas-y, tape-moi, tape-moi! Je te tape avec ma carotte dorée, moi, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Il est long quand même, ton gloire. Ah, c'est. Ouais, ben c'est. Il non, c'est bon. Pas qu'il est long, c'est que c'est toi qui es lent, parce qu'on est tous là à t'attendre. Hein. La terre. Et allez papy, ouais, plus vite plus, madame. Tu vois, il est beaucoup plus court, tu vois, en comparaison. Ouais. Ah bon, on est arrivé. Ah oui, c'est le plus court. C'est le plus court. On peut y aller par chariot aussi. Oh, cette orgie. Cette orgie de ça dans la maison, c'est horrible. Bah du coup, voilà, quand vous arrivez ici, vous avez déjà... Une fontaine centrale, on va dire. T'as dû en chier pour la faire avec des dalles comme ça. Non, du coup, quand vous descendez, alors ici à votre droite, alors juste ici, ben il y a un fourré pareil, comme Monsieur Fendi d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait. Le four automatique, du coup, on n'a plus qu'à poser dans les fours. Et à tout arrive ici après. Les coffres ici. Devant et. Le double coffre. Fais un petit F3S sur ton jeu parce qu'on t'entend. Buggy. Ah. Ben là, vous reprenez à votre droite. Ici, c'est. J'ai fait une usine à citrouille. Je veux voir. Oh. Plein de trucs en dessous. Aïe. Tombé.
Ouais, j'en ai fait un petit peu. Après, il y a eu Fonzie qui m'a un peu aidé par rapport à la restonne. Et du coup, normalement, ça devrait récolter. Et du coup, pareil, c'est buddé. Et t'as des bots qui récoltent les citrouilles dès qu'elles poussent. Voilà. Pareil pour les cannes à sucre, enfin les cannes à sucre, je crois. On a des cannes à sucre, voilà. Du coup, quand c'est le Hooper, il est plein, il va pas remonter. vider. Et il remonte. T'arrives pas à remonter? D'accord. Et donc, ouais, tout arrive dans ces coffres-là après. C'est sympa du coup que tous les systèmes soient dans les. Bon, tout ce stack ici et plus qu'à crafter par-dessus. Oh, des tartes à si la j'ai fait. citrouille. Ça, c'est Il y a vraiment. plein de tartes à la citrouille. Ça, Je t'en c'est vraiment prends un un. stack. Ouais. C'est vraiment un truc Ferme qu'on fait la trappe, rarement dans le Blaze. jeu. Hein. Moi, Ça irait bien. Et tu voilà, et sautes, vas-y, saute. voilà. Et voilà. C'est pourtant pas dur, hein. Ensuite, ici, donc ben là, vous avez l'usine à cochon et à vache et à poulet. Les trois. Poulet, du coup. Trois en un. Le capran, le blé et tout ça, les carottes et voilà. Je fais tout chauffer. Ouais, j'ai eu un bug mumble, je sais pas si j'étais le seul à être à déco. Oui. Ouais. Voilà. Ah, et là, c'est la toute première maison que j'ai faite quand j'étais sur. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est. Voilà. Tout est ici. Tout est rangé. Et après, le plus important, bien sûr, je l'ai mis tout en haut, à l'étage. Ah, il y a un étage. Ah, tous les minerais. Ah oui. Mais non, les minerais, je les paye tout en haut. Je me doutais que tout le monde allait sauter sur les diamants. Non. Oh, les voleurs. Moi non. Non, en tout cas. Non, pas du tout. J'ai juste pris 11 blocs. Sérieux? Après, j'avais fait ici aussi un champ de. J'ai fait un champ de pastèques de carottes et de blé Ah, justement c'est pour joli. J'avais pas vu ce sol. Où ça? Où Ah ouais, ça ici dans en le dessous. jeu? Hein. Ah ouais. Où ça, où Donc, ça? du coup, il n'y a plus qu'à mettre le levier. Ici, là. Y a l'eau qui Ah, coule mais là. et. Ouais, mais c'est chiant ça. Ouais, sympa. Ah, oh, Donc, c'est beau, c'est là, sympa. c'était pour les vaches et les. Plus vite au moins. Oh, Ça. carrément. J'étais tranquille par rapport à ça, quoi. Et on va s'attaquer au plus gros, là. 3 mois à le Comment faire. tu parles de MLG, c'est pas bien. Elle a pas mis 3 mois pour me faire, hein, quand même, je suis pas si gros que ça. Hein. Par contre, j'ai Mais toujours la non, braguette quand même. ouverte. Hein. Bah non, mais non, Toujours la ça veut braguette dire ouverte. Ouais, la braguette est toujours ouverte là. Envoie ton petit beacon. Oh! J'en ai deux, attention, hein, je suis un homme puissant. Et du coup, voilà tout ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai fait un sacré trou. Dire. Tu m'étonnes, ouais. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait dessus. Ensuite, ben, comme vous voyez, le dragon tout en haut, c'est Monsieur Fancy qui l'a fait. Putain. Ouais, oui, c'est le suspense, hein. Tu savais que c'était moi qui l'avais. Non, c'est ça le pire. Et Pensais donc, que du coup, c'était normalement, raid. ici, c'était censé en fait faire comme un grand tunnel qui va jusqu'à une ville que je comptais faire, mais je disais que ça allait être trop long à faire, mais bon, après, je comptais quand même le faire, mais bon, vu que voilà, j'ai plus trop envie de jouer en ce moment ni rien. C'était de faire une ville avec les aéroports. Enfin, vraiment une ville. Dire que. Une ville Comment moderne? dire? Une ville moderne, quoi. Avec les voitures. Attendez, bah, on va passer plutôt de l'autre côté pour mieux voir le dragon, quand même. Ouais, Voilà, carrément. bébé, en brise, tu peux redescendre avec ton dada. Fermé au trop. Le haut de la montagne, vous pouvez. Il est le crâne Là-haut, de le chaud crâne de. de. T'as deux trous dans le crâne quand même. Oh putain. Oh!
T'as des trous dans le crâne, il a des cheveux blancs. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je commençais à avoir ton âge. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais l'emmerdant, c'est que je suis chez Funzy. Oh. En bas. Ah, bon. Moi, je suis tombé dans le pantalon. Chut, Funzy, il est là. Chut. Mais quand même. Ah bah bravo. D'accord, j'ai compris. Et en plus, elle ressort par la braguette. Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, bah voilà, les amis, vous aurez vu une chute monumentale du Laos. C'est juste. La chute. Ça fait 3 morts en un épisode. Ouais. Waouh. Et vous aurez vu une vague monumentale. Quand j'ai passé le portail, j'ai quand même été en. Voleur ce type. Oh, merci. Mais je vole pas, je te fous. Après cet épisode. Oh le mec! Je trouve qu'il a que 4 morts et que c'est pas légitime. Voilà. Donc, oh le mec! Je vais finir comme ça et puis après j'y vais. Non! Non! Vous voulez m'aider? Vous voulez pas le poutrer? Non! Non! Regarde le l'autre! Non! Reculez! Non, c'est pas moi! Je suis armé. Ils vont m'attaquer par surprise, les salauds. Il est où le dada? Toujours aussi bugué en fait les chevaux. Non. Les chevaux déjà. Ça ressemble vachement à du cheval. Hein. Voilà. Le cheval, c'est trop génial. Là-dessus, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Salut. Vous allez nous manquer. Bisous à vous. Eh bien voilà. Bon, j'ai pas fini. Recule, recule, recule. Salaud. Moi j'ai qu'un arc et pas enchanté en plus. Non, t'avais, arrête, tu ne tapes pas. T'avais fini ta maison spawn village, Red, ou... Oui, ça fait un moment qu'elle l'avait fini. Ta maison spawn village. ML. Ah, spawn village, non. ML. Au village. Oui. Tu l'avais fini ou pas? Tiens. Ah non, j'ai pas fini. Oh. Bah, j'essaierai de la finir alors. Oh là là, j'ai des coups de lag. J'ai vu ML voler. Ça suffit, j'ai les enfants. Non, pas c'est... moi, j'ai pas de lag. Si moi, t'es d'accord, ouais, bien sûr, je vais de la finir. Oui, bah, y'a pas d'autre société, de toute manière. Après, s'il y en a qui veulent continuer à faire que j'ai ici, pas de soucis. Ah, moi, je ferai un tour dans les coffres sans non plus en abuser. Oh, c'est joli ce truc en bois, cette place en bois. Ah, bah oui, mais c'est où on était, où je suis mort lamentablement. C'est joli, hein. C'est joli de voir ta mort. Ah, bah ouais, j'ai vu mon plongeoir, quoi. Plongeoir. Va mourir, Linkid. Putain, je ne sais bug avec la main. Attention. Là. Ouais, j'ai des bugs aussi avec la main. Tu veux jouer à ça? L'autre. Je joue pas ça avec moi. Mais t'es cheaté, si là, t'as la pomme dorée, cheater. Me tapez pas! Oh merde! Carbonisé par le feu. C'est qui, papa? C'est ton casque, quoi. Bah, non, voilà, mon super casque, je l'avais pas réparé. Le récupérer. Ça suffit. En brise, ça suffit. D'accord, ça suffit. Aidez-moi à ramasser le stuff, au moins qu'on le range quelque part. Et bien voilà, c'est terminé. Il y a eu des morts, c'était un peu le bazar. Mais en tout cas, c'était bien sympa, on s'est bien amusé ce soir-là quand on a tourné cet épisode-là. Comme vous avez pu l'entendre, je sais pas si je l'aurais laissé sur le montage parce que je l'ai pas encore fait. Mais si je l'ai pas mis, je vous le dis. Si Fandy aura envie de revenir pour faire 2-3 parties avec nous, il n'y aura aucun souci là-dessus. Parce que c'est entre guillemets moi qui l'ai un peu dégagé, sans vraiment le dégager, parce que c'est lui qui a pris la décision, parce que je l'ai demandé. Voilà, donc si vous vous posez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et justement, j'ai pris un commentaire que voilà. As-tu encore beaucoup de projets pour Ragnablock, des constructions ou autres? Yakazuki.
Bah écoute Yakazuki, pour le prochain épisode, si j'y pense, je ferai une liste dans un bouquin ici. Parce que pour l'instant il n'y a rien. Mais on peut écrire rapidement. Non, on va pas écrire rapidement parce qu'il faut que je réfléchisse à tous les projets que j'ai en tête. Mais oui, j'ai encore beaucoup de projets en tête sur Ragnablock. Donc ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est les projets, ils sont comme ça. Hein. C'est comme le projet avec les zombies qu'il y a derrière, le zombie slash. Ça, c'est un projet que j'avais pas du tout en tête. Il y a quoi, il y a 20 épisodes de cela, je l'avais pas du tout en tête. Hein. C'est vraiment quand on a commencé le live de 24 heures que je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça, ça comme ça, ça comme ça. Et le projet s'est construit au fur et à mesure, et puis on est tombé sur un zombie slash. Voilà. Sinon, ouais, des projets. Déjà, premier projet, terminer le concours. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et on va faire un petit point sur le concours d'ailleurs. En ce qui concerne les participants, donc comme vous le savez, Kakaorum avait perdu face à Red Angel, mais vu que Red Angel ne fait plus partie du serveur tout comme Fanzi, c'est Kakaorum qui prend sa place et qui du coup se battra contre moi. Ensuite, juste ici, j'ai pas encore mis les points, faut que j'aille regarder leur épisode, j'ai pas encore pris le temps de le regarder. Ici on a Yggdrasil vs Patisman. Donc Patisman qui a dit qu'il redeviendrait un petit peu plus présent. C'est vrai, il a sorti un épisode il n'y a pas longtemps. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais maintenant il va se battre contre Werx. Parce que Fanzi, bah, il avait perdu. Donc pas de souci là-dessus, il ne peut pas continuer. Mais à la base c'était Werx contre Fred Lawless. Sauf que bah, au lieu de faire du Werx contre Fred Lawless, c'est-à-dire que Fred Lawless aurait zappé un match, j'ai fait en sorte de mettre Ombrist. Donc Ombrist, j'ai pas encore mis les time frames, rien du tout. Ombrist va se battre contre Fred Lawless. Ils vont le faire dans pas longtemps, d'après ce que j'ai compris. Et le gagnant va se battre contre le gagnant de Werx contre Patisman. Donc je leur ai dit de se bouger le trognon pour essayer de faire leur combat rapidement. Voilà. Comme ça, c'est de là, vont se battre. Et puis ensuite, après moi contre Kakao, ce sera Victoria contre Linkid. Je prendrai le vainqueur et ensuite on ira en finale pour savoir qui gagnera tous les minerais. Et d'ailleurs, si on veut faire le curieux, juste histoire de se faire mal aux yeux, on va voir les minerais qu'il y a dans les coffres. Tout en sachant que derrière, donc attendez, est-ce que je peux y avoir accès ou pas? Oh, merde, ça c'est con par contre. Non, j'ai pas accès. C'est très difficile d'y avoir accès en fait. Non, je vais pas réussir à avoir accès. Bref. Tac. Mais derrière, il y a un hopper. Quoique, je peux y avoir accès par là. Je suis bête. Voilà. Là-bas, il y a des hoppers. Et du coup, mon item, il est là. Voilà, c'est ça que je veux récupérer. Alors, vous avez pu voir, c'est full, full, full. C'est rempli. Ce coffre-là aussi. Donc, il y a énormément de charbon, de fer. Il y a pas mal d'or, mine de rien. Il y a un peu de minerai de diamant. Donc, ça, c'est cool. Encore beaucoup d'or, pas mal de fer, beaucoup de charbon. Du diamant, là il y en a beaucoup plus. Et il y en a aussi là-dedans. Donc du fer, des blocs de fer et du charbon. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien miné quand même. Ça a bien miné. Hop. Donc ça va faire pas mal de stuff pour le gagnant. Ça c'est clair et net. Je sais même pas ce que le gagnant va pouvoir en faire. Mais il aura des minerais jusqu'à sa mort. Voilà. Donc du coup on se laisse. L'épisode a assez duré. Je vais pas vous demander si vous avez apprécié cet épisode là parce que concrètement je n'ai rien fait pendant cet épisode là hein. J'ai juste tourné les adieux de Fanzi et de Red Angel pour voir ce qu'ils avaient fait. Donc je vais parler un petit peu plus de la situation sur la vidéo bonus de la semaine. Donc si vous voulez cliquer, c'est dans la description ou alors c'est à la fin de la vidéo si je pense à mettre le lien par dessus. Et nous on se retrouve pour un prochain épisode de Ragnablock où on avancera sur un nouveau projet, ou sur un autre projet que j'avais déjà commencé. Bon, en tout cas, il y aura la liste des projets que j'ai à faire. Voilà. Sur ce, bye!